bien voilà les gens, on vient d'arriver à Albuquerque il y a une petite heure environ. On est dans un bâtiment plutôt stylé. On a un gars qui joue du piano là-bas là. Vous voyez pas mais il est derrière la pharmacie. C'est juste trop agréable, on s'est pris. Il doit faire quoi? Il doit faire 30 degrés. Et du coup on s'est pris des petits trucs pour se rafraîchir. Et voilà, c'est hyper agréable. On rencontre notre coach surfer qui est un avocat. Le métier, hein. Pas le légume. C'est un fruit. Il y a un noyau dedans. Enfin, techniquement, c'est un fruit, à proprement dire. Et techniquement, tu me casses les noyaux ou pas? C'est pour savoir. On le rencontre dans deux petites heures. On va se balader un peu dans la ville et voilà, c'est super cool. Albuquerque, on valide. Et on part demain normalement pour Flagstaff. On espère arriver à Flagstaff demain soir pour pouvoir aller au Grand Canyon après-demain. Ça a l'air cool ça. Bon et bien voilà, on est sur le trottoir près d'une rampe pour aller à l'autoroute 40 pour aller jusqu'à Flagstaff. On voulait pas prendre de bus direct, on aurait pu, mais alors déjà d'une ça nous refaisait payer des sous, hein, ça va rien dire. On s'est levé le matin, on s'est dit non allez on peut faire du stop ce matin et tout. Là vous avez l'impression qu'il est genre midi ou quoi, pas du tout MDR. Il est 8h, les mecs chez qui on était étaient hyper sympas. On était ses premiers coach surfeurs, du coup il était trop timide et tout au début, c'était vraiment marrant. Trop gentil, en plus il nous a offert le resto, enfin. Vraiment quelqu'un d'hyper intéressant, hyper gentil. Et il avait deux chats donc trop bien. On a dormi dans une chambre d'amis et tout. On a vraiment passé une super nuit, super soirée. Donc tout s'est bien passé. Il nous a emmené jusqu'à la rampe. Et il nous a dit si jamais vous avez rien, vous m'envoyez un message et je viens vous chercher. Je vous emmène à la station de bus et tout ça. Est-ce que t'as vu ce virevoltant? Allez. Et voilà du coup il est 8h. On a tout notre temps. Le dernier bus est à 5h. Donc si on a rien, on chope un point de wifi. Il y en a un qui est peut-être à un peu moins d'une heure de marche, moi je dirais. Donc au pire des cas on a un bus. Et le projet c'est que ce soir on est à Flagstaff. Au plus tard 22h du coup avec le bus. Et ouais demain normalement Grand Canyon. Ça nous fait quand même demain Grand Canyon, donc on est plutôt de bonne humeur. Puis on est à Albuquerque quoi, Nouveau-Mexique les gars. Regardez derrière moi cette montagne, c'est magnifique. Je vous fais des gros bisous et ben à la prochaine. Peut-être dans le stop, peut-être dans le bus, peut-être pas, peut-être nulle part, je sais pas. Ouais bien voilà les gens, on est sur un pick-up. Au bout de 40 minutes on a été pris par un gars. Il nous emmène pas très loin, juste en bas de la montagne. Et voilà c'est trop cool, on est sur un pick-up Bonjour, c'est incroyable ce qui vient de nous arriver. On était dans le pick-up qui nous a arrêté à un casino. À ce casino là on a fait du stop pendant environ 35 minutes. Il y a un mec qui nous a pris, qui venait des îles Philippines, donc trop classe. Et nous a déposé un peu plus loin. On est arrivé, il y avait un McDo, il a fait vous avez mangé? On a fait bah non, il était genre 11h, hein. On a fait non, on n'a pas mangé et tout. Il a fait bah je vous offre un Domac. On a fait bah ok. Et on s'est dit bon bah on va se remettre sur la rampe d'autoroute pour bah comme on est là en fait. Et en fait, on n'a même pas eu le temps d'aller sur la rampe. Entre le McDo et la rampe, on marchait. Et il y a un mec qui s'est arrêté avec un pick-up et il a fait « Oh, go going ?» Genre avec le pire accent américain et tout, c'était vraiment trop marrant. Et du coup, il nous a emmené un peu plus loin. Et le mec, juste trop sympa, il nous a appris ce que voulait dire « a cunt », parce que c'est des initiales, ça veut dire « can't understand ». Mec, « can't understand ». Oh, il y a déjà une voiture qui s'arrête, tout ça. Bon, je vous raconterai plus tard. On vient d'arriver en Arizona, il s'est passé un truc de fou. Bon bah la dernière fois que vous avez vu une vidéo, c'était on courait pour rentrer dans une voiture. J'ai même pas eu le temps de faire une vidéo sur l'autre point de stop parce qu'on a été pris ultra rapidement, mais genre au bout de 2 minutes quoi, vraiment. Et il vient nous amener, alors non seulement il nous a amené, mais en plus en repartant il nous a fait vous avez mangé. Donc on avait déjà mangé parce que bon je vous ai expliqué cette histoire d'un mec qui nous a offert un McDo. Du coup on lui a fait oh, on a déjà mangé tout ça. Et il fait non mais tenez prenez quand même 20$ et tout. On lui fait mais pourquoi? Oh là là là. Il nous fait mais prenez 20$ et tout pour vous un burger et tout, ça me fait plaisir et tout, bonne chance à vous. Donc donc voilà. et voilà donc on est vraiment bientôt à Flagstaff, il est 1h. Bientôt ouais, enfin on a fait plus de la moitié. On a fait plus de la moitié. On ouais. La moitié là. Ah oui donc j'en étais là, a cunt. Can't understand normal thinking, voilà, a cunt. Donc c'est une insulte en fait. Et après il nous a fait everybody can be a nigger. C'était trop marrant, genre on était en mode trop gêné, nous on était en mode ah ouais, ah, d'accord, super. On va faire du stop et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Allez, voilà, bisous. Voilà.
gens. Bah, Quentin avait demandé au mec de nous déposer à un endroit de merde en fait. Du coup, ça va être plus compliqué que prévu. On a marché 1 mile à peu près. Donc un kilomètre 6. On a longé une grosse montagne. Et du coup, bah, on attend comme des cons quoi. On est un peu perdu au milieu de nulle part, hein, littéralement. Et on prie pour que les prochaines voitures nous prennent parce que sinon, on sait pas ce qu'on fait en fait. Voilà, on a pas de wifi, on a rien donc. On verra ce que ça donne. Mais bon, voilà les news. Bon, je sais pas depuis quand j'ai pas fait vidéo. Depuis quand on a pas parlé. Non, en gros, donc on a réussi à aller jusqu'à Winslow, Arizona. Et on s'est dit, c'était qu'à 58 miles de Flagstaff, donc là où on voulait aller. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout réussi à faire du stop en fin de journée. On a commencé vers 19h30, un truc comme ça. Jusqu'à, on a fait ça pendant une heure et quart. Personne nous a pris. Du coup, on a dormi dans un motel à Winslow hier soir. Et on est reparti ce matin pour faire du stop. Quelqu'un nous a pris au bout de 10 minutes ce matin. Voilà à Flagstaff, endroit où on a notre deuxième coach surfeuse. Enfin, notre deuxième, troisième coach surfeur. Quatrième, puis il y avait des trois aussi. Notre quatrième coach surfeur. Cinquième pour Quentin. Aujourd'hui, normalement, c'est Grand Canyon. Et voilà. Et du coup, ça va être cool. We'll be right back.